Oui, la station, les 913-51 de la part de Dundee 33, et c'est parti pour le QSO du canal 27. Voilà, c'est très QRP là de mon côté. Les 73 Michel, en espérant que tu vas bien. Ouais, il y a quelqu'un derrière là qui fait ses petits essais de tosse apparemment. Là, pour, vu les coups de sifflet. La station derrière, on est en uniforme Sierra Bravo. Tu dois être en AM, j'imagine. Ouais Michel, je sais pas si tu arrives à sortir, il y a quelqu'un derrière là qui essaie de nous joindre, mais bon, je sais pas, je sais pas où il est. Je t'ai eu en stéréo là, Michel. Était. Eh bien, attends, attends, je baisse un peu le volume quand même. Ah, chie. Alors, toutes mes excuses. Non, non, mais moi, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas moi que c'est dérangeant le plus, hein, loin de là. Je suis pas le premier râleur du QSO, hein, loin de là. Bon, est-ce que tu as des nouvelles de Ludovic? Les aléas de la radio, et voilà. Mais si quelque chose qui est prévu pour la région, ça n'empêchera pas que je vous ferai saluer par certaines personnes qui ne font point partie de la région, mais qui reçoivent très bien un SWR. Michel de Toulouse, je pense que si vous acceptez le bonjour et puis à la rigueur là, les petits cuissons qui sortiraient un petit peu, comment dirais-je, de la Gironde, mais qui seraient toujours sur à une partie en Aquitaine, mais il y a d'autres parties qui sont beaucoup plus loin. C'est mon ami Jean-Jacques qui va venir tout à l'heure, qui est sur le département 57. Si on peut les saluer, moi je les écoute à la maison, et si on peut les saluer, on les saluera. Alors je pense que personne ne sera contre. Bien sûr que non. De toute façon, les systèmes alternatifs sont les bienvenus, du moment que nous, au final, on soit quand même sur les ondes. Voilà, hein. Non, au contraire, c'est bien sympa, quoi. Voilà, c'est ça s'appelle tout simplement de l'interaction Internet-CB, hein, puisque au final, nous autres ici, on est quand même sur les ondes. Ah ça, c'est sûr. Voilà. Non mais tu as raison, vas-y. Hein.
je vois qu'on n'est plus que tous les deux, c'est ça, Michel, sur le QSO? Oui, mais avec Eric, j'avais fait pareil un soir, et subitement, ça s'était réveillé. Et on était prêts à quitter. Et tu vois comme quoi, des fois... Ah ouais, ok, ouais. Bon, ben on verra bien, hein. Voilà, et qu'au final, on se retrouve pas tous uniquement sur Internet, où là, effectivement, ça gâcherait tout. Mais non, mais c'est, cette interaction, elle est bienvenue, hein, les différents tests et tout, via relais et compagnie, ça, sont évidemment les bienvenus, hein, bien au contraire. Hein. Pour ma part, je suis pas contre, justement, l'innovation, hein, bien au contraire. Hein. Oui, le break en avant. Attends, vous êtes décalé là, le break, j'ai l'impression, ou je sais pas trop où vous êtes. Oui, le break en avant. Oui, il y a eu un break, mais beaucoup trop bref pour savoir s'il est en AM ou en BLU, parce que je sais pas, c'est pas top là de mon côté, hein. Oui, en avant. Ah, c'est trop court, j'ai pas eu le temps de comprendre. Bon, Michel, je sais pas si c'est une station locale, je sais pas si c'est avec la propag. Bon, on verra bien. Hein. Zulu Golf Delta 50, opérateur Florent, les 2351 toi de la part de Dindy 33, 14 Delta Romeo 33, 14 ODR 002. Ah, ok, c'est toi, oui, là j'ai compris. Par contre, peux-tu parler un peu plus longtemps, on a un petit peu de mal à te sortir là de notre côté. Eh bien justement, je me demande si c'est pas 14 Zulu Golf Delta 50. Voilà, je me demande si c'est pas lui justement. Oui, la personne qui parle, c'est un peu difficile pour un copier. J'ai l'absence de propagation, c'est un petit peu difficile. Et moi, j'y crois vous quand même si vous avez la copie. Putain, justement, j'ai l'impression que c'est l'inverse, qu'il y a la propague là, qui est un peu là derrière, qui nous, enfin, je dirais pas perturber un peu, mais là qui nous met des doutes. Voilà, c'est ce que je cherche à dire. Ah, je parle en même temps. Toujours évident. Oui,
s'il y a quelqu'un qui veut se signaler en avant. Bon, mais Michel, je sais pas quelle température il fait chez toi, mais là, ici, au QRA, il fait pas froid. Hein. Ouais, ben là, je regarde, là, j'ai 32, là, encore, là, au QRA. Pour dire que là, ça va, on va être bien pour cette nuit. S'il y a de la propague, hein, ça se voit. Ok, les 73 retournés, Michel de Toulouse. Désolé de ne pas te montrer un meilleur QSO là ce soir. C'est vrai que là, c'est très soft. J'imagine que les OM doivent être certainement partis sur des fréquences plus hautes. Et après, sur la période des vacances, ça va pas être évident. Mais je te signale que Michel te reçoit sur le salut, il y a des traces, ça c'est moi ça. Voilà, Hachi. Ouais, effectivement, là, je vois là sur la. À vue de nez comme ça, je dirais 27480, 27530, et puis ailleurs, on voit bien là, il y a pas mal de traces de propag. Hein. Bon, si les OM en profitent pour faire des bons contacts, eh ben, tant mieux, hein, tant mieux pour eux hein, qu'ils en profitent. Hein. C'est vrai qu'en principe, les QSO locales, on les fait quand il n'y a pas trop de propague, un truc comme ça. Bon, mais là, si la propague est là, moi, ils ont bien raison après tout. Hein. Mais c'est pas grave, hein. Si ça se motive pas plus là dans le QSO, eh bien, on passera QRT et puis on profitera de la soirée chacun de son côté et puis on verra bien demain soir. Tourner l'antenne. Oui, affirmatif, il t'entend Hervé. Hein.
Je t'entends très 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 QRP Michel, hein, t'as dû tourner l'antenne. Là c'est tout juste, heureusement que j'ai pas plus de QRM parce que là c'est tout juste audible. Bon ben vu le message, ok, t'es passé QRT, les bains sont 13-51 à toi Michel, et puis à demain soir. Ok, bah, y a demain soir. ULOCQ, Delta Bravo 01, Stigman listening. Micro reçu, les bosses sont 13-51 à toi Michel, voilà de la part de Dundee 33. Ok Ami, bien reçu, le retour s'est bien fait, mais j'espère bien qu'il va y en avoir d'autres. Eh bien pour ma part, j'en sais de rien, j'ai été pas mal occupé aujourd'hui, j'ai pas d'infos des uns des autres. J'ai pas eu le temps d'écouter quoi que ce soit. Ça a été une journée bien remplie. Donc je sais pas, ça sera surprise surprise comme hier soir quoi. En espérant qu'il y aura plus de monde, c'est sûr, t'as raison. Ok, les 73-51 retournés, par contre là c'est dommage, le son était dégueulasse. Ça, il y avait un petit peu de l'arcelle dedans. Hein. Hop là, il y a un Roger Bip Multibip, oui, les 73, la station de la part de Dundee 33, QTH, secteur Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Bon ben c'est pas grave. Allez les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27, allez-y, prenez le micro. Côté SWL, WebSDR, les 213-51 à vous tous, voilà de la part de Dundee 33. Et vu qu'il n'y a pas grand monde là pour commencer le QSO, allez-y, vous pouvez toujours tenter et on verra bien si on vous entend là de l'autre côté. Okay.
là, on démarre juste les périodes de vacances, donc forcément, il y en a pas mal qui sont partis. En plus de ça, pas mal d'OM sont installés en fixe et ne sont pas forcément en mobile. Ah, c'est dommage. Alors oui, les 73, Sylvain 69. Alors l'OM que tu viens d'entendre là, qui était en train de te parler, c'est Michel, la tour de contrôle, secteur Blaye. Donc c'est vraiment le sud-ouest-sud-ouest. Hein. Michel, il te retourne la politesse. Hachi trois coups. Oui, Hervé, ce soir, c'est Michel justement qui a lancé le démarrage de QSO du canal 27. Mais bon, attends, pour te faire plaisir, les bus 1351, les stations en fréquence de la part de QSO national du canal 27 du sud-ouest. Alors nous sommes donc le samedi 8 juillet 2017. Et c'est parti pour le QSO. Ok Sylvain, alors eh ben, tu sais pas, tu te dépêches là de suite de régler le problème et on veut t'entendre là de suite dans les 5 minutes dans le QSO. Hachi. Break. Hop là. Oui le break, les bonnes 113 de break. 73, 14, 8, 5, 27, l'opérateur est signal. Bonsoir tout le monde. Et 73, disons que la modulation est grave ce soir, je ne t'avais pas reconnu. Enregistré le Roger Beep, le multi-beep de 9009, on dirait, là, qui m'est arrivé à Santiago 8. Retour Eric. Bon, ben apparemment, moi, il ne m'entend plus. Retour Michel. Ok, la station qui a le Roger Bip de 9009, je pense, si je me trompe pas, sur le TX. Allez-y, vas-y en avant. Bon, ben, la station qui a le Roger Bip, là, le multi-bip, en avant. Ok, alors la station, sois rassuré, ton Roger Bip fonctionne bien. Voilà, déjà une bonne chose de faite, Hachi. Bon alors, est-ce que ce soir nous aurons Ludovic dans le QSO, si quelqu'un a des news, on écoute. Là, j'ai pas de news, moi, de personne. Hein. 73, Rémi, et puis Alinaquel aussi, voilà. Hein. Mais là, tout à l'heure, je croyais que tu avais retourné le micro au Roger Bip, c'est pour ça, désolé. Hein.
Ah ok, non, c'est vrai que... oui, non, c'est moi qui des fois ferais bien de séparer un petit peu les phrases. ça éviterait des confusions comme ça, quoi. Ouais, est-ce que tu es prêt pour ma raid, hein? Ah oui, bah oui, de toute façon, le matériel, oui, bah, bah tiens, puisque t'en parles. Donc, pour les stations, vu qu'il y a du monde en plus, on écoute là sur le WebSDR. Le 29 juillet prochain, nous faisons tous ensemble le salon radio là, de Marennes. Donc, cette année, il se refait à nouveau à la salle polyvalente de Marennes, qui est à côté du Intermarché, qui est à côté de la nationale qui mène à l'île de Léron. Donc, il est très facile d'accès. Il y a un grand parking pour les camping-cars, les voitures. Il y a de quoi on peut manger sur place. Un apéro est offert par le salon. Un apéro sera aussi offert par notre stand. Et puis, en ce qui nous concerne, eh ben, on va là-bas pour faire un QSO, pour en parler, voilà, pour autour du matériel qu'on présente, faire les QSO, mais de visu sur ce qu'on fait en ce moment, se retrouver et tout. Ah oui, j'ai oublié, j'espère que j'ai sûrement d'autres personnes. Ok, on peut manger sur place hein, le samedi midi, donc il n'y a pas de problème. Faut juste le matin prendre les tickets pour pouvoir avoir son repas après là pour le midi. Il y a une grande, il y a plusieurs tables qui sont mises sous un chapiteau. Donc on vous attend tous. Il y a eu pas mal de publicité là de fait de part et d'autre, et surtout par 14 ODR 026 là qu'on remercie énormément, car de ce côté il a contacté pas mal de boutiques en ligne qu'on citera au salon, hein, et qui eux de leur côté avec plaisir justement font de la pub pour le centre Marennes. Il a aussi fait de la pub sur le Bon Coin plus quelques autres sites aussi. Alors, d'ici qu'il y ait toute la France, toute l'Europe qui se retrouve à Marennes, à Chitroicou, il risquerait bien, là, ça risquerait bien de se bousculer. Oui, retour Eric. Ouais, ok, mais je sais pas, il y a du monde hier soir au national. Tu vois ces derniers temps, les deux derniers week-ends, c'était catastrophique. On s'est retrouvé à Villan et Michel, un autre soir avec Hugo, et on était à chaque fois, on était deux, trois, et encore. Là, maximum. Ok, ben hier soir on n'était que deux, hein, Michel et moi. Les week-ends précédents, j'ai bossé à chaque fois. C'est mon seul week-end de repos. Hein. Le week-end du salon, je l'ai en repos aussi parce que là je l'ai demandé. Mais autrement, là, toi, c'est mon premier week-end de repos. Les week-ends précédents, je bossais en week-end et tout ça, c'était assez hard. En plus de ça, au niveau du pro, là en ce moment, là, j'aime pas trop, mais ils me font faire là, du boulot de chef de poste. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais donc sur quoi de travail et tout. Et donc là, ça n'a pas été évident là, de mon côté, quoi. Là, mais je comprends tout à fait, Rémi, il n'y a pas de souci, c'est normal. Quand je travaille de nuit, de week-end, c'est normal. Et tout le monde ne travaille pas comme ça, hein. Donc je sais pas. Ouais, je sais, non mais de toute façon, là, on sait très bien qu'on ne citera pas pour pas faire polémique, c'est pas la peine. Dès qu'il s'agit des 40 canaux, il faut forcément les snobber. Encore heureux que, je sais pas si tu te rappelles, dans les tout débuts, là, il y a quelques années qu'on a commencé à le démarrer, on le faisait en AM. Ah ben là, ça a été la cata. C'est déjà venir sur les 40 canaux, c'est compliqué pour certains, chier. Et en plus, il fallait continuer en AM. Aïe aïe aïe, on serait toujours que tous les deux, je crois, aujourd'hui. Ouais. Enregistrer le break, retour Eric. Ouais, ça va, j'ai entendu le break aussi, mais écoute, je vais retourner le micro, ça va le break. Oui, bonsoir Eric, les bonnes circonstances à toi, bonne poignée de main, salutations à Rémi, salutations à Michel aussi, je suis content de te dire Michel en fréquence. Ici c'est l'opérateur.
retour Eric. Oh Robert, avec 73, mais t'as bien raison, hein, parce que c'est vrai que c'est assez calme, voilà, donc ça fait plaisir de t'entendre. Et puis je vais retourner le micro sur Michel, la tour de contrôle, vas-y. Alors d'abord, bonjour Eric, les amitiés à toi, c'est tout à tour. Et puis l'ami Robert, les amitiés, bien content de t'entendre, et merci à celui qui te l'a signalé. Merci Robert de ton petit passage sur le QSO. Les Mosses 1351 à toi. Alors oui, ce QSO est déjà actif là depuis déjà quelques années. Alors pour la petite histoire, au début avec Eric, on avait commencé en AM. Et on est resté très longtemps, de nombreux mois comme ça, que tous les deux. Et du jour où on est passé en USB, ah ça y est, ça a commencé à se développer. Notre record d'OM dans le QSO a été 16 OM, si de mémoire là, si ouais c'est ça, oui. On est monté à 16 OM quand même au grand maximum. Et là, c'est vrai que ça s'est calmé quand même depuis. D'autres QSO se sont créés ailleurs, ceci, cela. Puis là, on arrive à période de vacances. Donc ça s'essouffle un petit peu, quoi. Donc c'est en plus si tu es parmi nous ce soir, alors là, c'est encore mieux, quoi. Oui, ok, Rémi. Michel, tu fais un gros bisou à Annie de ma part, hein, d'accord. Mais écoute, c'est Eric, oui, qui m'a dit de. Voilà, il m'a dit que cette fréquence était un petit peu attirée de toi. Et moi, j'ai toujours tendance à me promener de droite et de gauche sur toutes les fréquences. Tous les joueurs me sont bienvenus, là, et j'ai été discuté avec tout le monde. Mais ce soir, j'ai dit, tiens, je vais faire un petit tour là-bas. Voilà, et je suis en train de faire l'activation, là, donc j'ai dit, mais tiens, on va se briquer, on va briquer un petit peu, puis on va discuter. Oh, je sais ce que j'ai discuté, Michel le dira. Voilà, et puis voilà, donc, mais ça fait plaisir de vous entendre à tous. Rémi, oui, mais toi, je t'ai entendu sur ton mobile, là, avec les vaisseau de tout ton pot d'Aquitaine. On était avec la Guadeloupe, on était tous ensemble, là, sur le vaisseau, t'avais briqué, et t'étais rentré, là, on avait fait quelques petits contacts sympas, voilà. Je pense qu'avec ton mobile, ça te fait un bon jour. Oui, affirmatif, oui, je me souviens. Et puisque tu parles de naviguer en fréquence, le 29 juillet prochain, là, nous, on sera au Salon de Marennes. Et comme tous les ans, nous faisons une activation depuis l'intérieur du salon. Hein. Voilà, on est visiblement les seuls à faire ça. Et c'est vrai que ça intéresse du monde. Et en même temps, pour ceux qui veulent, on tend le micro à qui veut le prendre sur le salon même. Et même les débutants sont acceptés là devant la station et tout, là, pour pouvoir s'exercer en fréquence. Donc on sera actif directement depuis l'intérieur de la salle. Donc fréquence habituelle 27555 plus QSY, quoi. Voilà, quoi. J'ai pris note à l'occasion, pourquoi pas. Hein. Je me signalerai si je vous entends, si j'ai pas besoin de me lancer la tête. Et
je réponds pour faire un petit presto, voilà. Michel, je te renvoie le micro, donc un gros bisou à lui de ma part, hein. J'espère que tout va bien de ton côté à toi. Oui, oui, ça se va le mille. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que je raconte quand même que ce Samy Robert, on s'est retrouvé sur la radio il y a 13 jours, 3 semaines, et il me dit, te souviens-tu, quand tu avais venu manger des cèpes chez toi, le petit il avait 6 mois, et maintenant il a 19 ans et demi. Alors vous voyez que la radio, il y a des moments, ça coupe. Et 19 ans après se retrouver, et moi j'appelle ça presque un miracle. Allez, retour à toi, Rémi. Ouais, ben justement, c'est ça la magie de la radio aussi, hein. C'est pouvoir se retrouver comme ça par le biais des ondes, par la, voilà, c'est ce côté magique là qu'on justement qui est vachement bien, quoi. C'est on va à la pêche au contact et puis paf, bizarrement on tombe sur quelqu'un, sur une vieille connaissance et tout ça, c'est magique. Retour Michel. Ok, oui, je le vois. Ouais, Florent, les 73-51 à toi. Retour Eric. Attends, Rémi. Ok, oui, Michel. Je vais pas marquer les images de Pierre-Louis, là. Je dis qu'il y a, vous avez un problème. Regarde, monsieur, ça. Ouais, 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 j'ai vu. Allô, Houston, nous avons un problème. Ah, si. Ah bah, de toute façon, hein, honnêtement, je m'attends à ce que le QSO soit assez calme durant l'ensemble des vacances. Hein. Là, pas mal de M sont partis et tout ça. Bon, c'est pas voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Ça fera repartir de plus belle le QSO là au retour après des uns des autres. Hein. Certains sont partis au Portugal, d'autres en Espagne, d'après ce que j'ai entendu. Bon, tout, et ainsi de suite. Donc voilà, faut. Ça va être un peu plus calme là durant les vacances et puis comme à chaque fois là arrivé en septembre ça repart. Bon, bisous à tous. Ah, les 73, oui. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé, les 73, la station de la part de Dandy 33. Beltoise, je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, non. Je faisais juste un petit tour de galette et je vous ai entendu. Allez, je vous embrasse et je vous fais des gros gros bisous. Ok, Beltoise, les bonnes 113-51 à toi, comment vas-tu? Il y a d'autres stations, je repasse le micro aux autres stations. Tiens, Eric. Et salut la principauté de Salvador Ferrand. J'espère que tu vas bien.
Ok, belle toi, les 73 à toi, merci de ton petit passage. Bon, retour Michel. Ça marche beaucoup mieux sur les ondes Hachi. On entend mieux surtout. Yeah.